Les professions réglementées, qu'est-ce que c'est ? Les professions réglementées sont des professions prédéfinies par des dispositions d'ordre administratif, législatif ou réglementaire. Ces dispositions encadrent leur accès. Il s'agit de professions qu'il n'est possible de pratiquer qu'à la condition de posséder un diplôme, un titre professionnel ou une autorisation spécifique à l'activité concernée. Dans les professions réglementées, on ne tient pas compte des règles obligatoires d'hygiène ou de sécurité auxquelles toutes les activités économiques sont soumises. Certaines activités nécessitent en plus une inscription à un ordre relatif. C'est par exemple le cas des greffiers des tribunaux, des huissiers de justice, des avocats, des commissaires-priseurs, des conservateurs d'hypothèques, etc. Comment savoir si une profession est réglementée ? Pour vérifier si un métier fait partie des professions réglementées, il est possible de consulter la liste sur le site internet guichet-qualification.fr. Il faut noter que les pays ne se sont pas accordés sur une liste consensuelle des professions réglementées. Ainsi, si une activité est réglementée en France, ce n'est pas forcément le cas dans un autre État. Et l'inverse est vrai aussi. Quelles sont les professions à monopole ? Parmi les professions dites « réglementées », on note que certaines sont également catégorisées comme des professions à monopole. Ce terme est utilisé pour parler des métiers dont l'exercice est limité en termes d'accessibilité par un numerus clausus. C'est le cas, par exemple, lorsque l'obtention d'un diplôme est limitée à un nombre prédéfini et non au mérite comme en médecine. C'est également le cas pour les professions de notaire ou d'officier ministériel dont l'exercice est soumis à l'appartenance à un cabinet ou un office. Le nombre de ces cabinets et offices est limité et encadré par l'État sur des territoires géographiques préattribués.